Salut, moi c'est Lucas, je suis technicien en atelier régional chez Decathlon et mon truc c'est le camping. Aujourd'hui, on va travailler sur une tente qui se monte avec arceau. Donc qui dit arceau dit manipulation, dit tension, ce qui peut entraîner une casse de l'élastique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer très facilement l'élastique de l'arceau complet. Pour effectuer cette réparation, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux et de l'élastique disponible sur le site Decathlon ou en magasin. Donc là, j'ai mon arceau sans l'élastique qui a cassé. Attention à bien respecter l'ordre des joncs, ils n'ont pas tous la même taille. Je vais commencer par le jonc d'extrémité en passant l'élastique d'abord du côté relié aux autres joncs. Et en le faisant ressortir par l'extrémité. Donc voilà, la réparation est faisable à la main. Moi, j'ai mis au point un petit outil avec un petit crochet au bout. Ça vous permettra de gagner du temps sur la réparation. Pour l'utiliser, on va le passer par l'extrémité de notre jonc. À l'aide du petit crochet, on va planter l'élastique. Pour le faire ressortir, très simplement, de l'autre côté. À ce moment-là, on va venir faire un nœud double. Pour pouvoir faire une butée et continuer notre réparation facilement. Je passe ensuite au deuxième jonc et ainsi de suite, on va pouvoir faire ça jonc par jonc. Donc attention à toujours bien garder le bon ordre dans les joncs pendant la réparation également. Un petit tips, pour éviter que l'élastique ne reparte quand vous arrivez vers la fin de l'arceau, simplement placez votre pied sur l'élastique. Nous sommes arrivés au bout de l'arceau. À ce moment-là, on va faire comme dans l'autre extrémité, un nœud double. Le nœud double est fait, l'élastique de notre arceau est changé. On va pouvoir remettre les embouts à chaque extrémité. Voilà, notre réparation est finie et on va pouvoir retourner faire du camping.